Maintenant que je sais la tête que tu as quand tu mens, j'aimerais bien voir la tête que tu as quand tu dis la vérité. J'ai gagné tous ces gadgets à un concours de fléchettes à Coney Island. Une fois, j'ai gagné une peluche, mais jamais un truc comme ça. Tu dois être très doué, futé. Bon, écoutez, monsieur. Je m'occupais de mes affaires. J'étais en train d'attendre ma copine tout à l'heure, qui, cela dit, doit sûrement être morte d'inquiétude et qui me cherche partout pendant qu'on discute. Alors là, ouais, sérieux, faut que je récupère mon attirail et que j'aille vite la retrouver. Et elle s'appelle comment? Hein? Le nom de ta copine. Shtarienne. Shtarienne. Je parie que Shtarienne adore ton joli costume. Quoi, c'est un crime de porter un costume noir? Bon, maintenant écoutez, vous n'avez absolument rien à me reprocher et j'ai des choses à régler à l'extérieur. Alors qu'est-ce que je fais coincé à ce bureau? Je vous coupe, je suis désolée. X est effroyablement en colère à propos de l'incident de Coney Island. Ok, merci pour l'info. Ah, décidément, ce café, c'est pas le pied. Qu'est-ce que vous espériez? C'est normal pour du jus de chaussette? Oh? Non, j'appelle toutes les filles O. Pour moi, O, c'est féminin, et K, c'est masculin. D'ailleurs, certains disent des couples divorcés qu'ils sont K.O. Quelle... Est-ce qu'on a des victimes? Oui, Roman le fabuliste. Est-ce qu'on a des victimes humaines? Non, monsieur. Et ça, c'est quoi? Moi, j'attends... Un humain égaré, pris dans le filet. Code 43 et on le renvoie. Vous allez être en retard à votre réunion avec les Viagraliens. Il y a une nouvelle pilule révolutionnaire. Allons-y. Bon, à nous, futé. J'attendais ma copine. Shtarienne? Oui, elle est arménienne. Ok. On va faire un test oculaire. C'est pas un test oculaire, il est mastoc, ce neurolaser! Tu en sais des choses pour un type qui dit n'être au courant de rien. Je vois ce que tu veux dire. Et si on se... Waouh, hey, K, tu sais quoi? Attends deux secondes, c'est pas la peine de s'exciter, K! Tenez, pour éviter de vous couper la langue. Mais pas les pattes. Pas les pattes. K, écoute, je crois qu'on a pris un mauvais départ. Tous les deux, sérieux, arrête tout ça, qu'on puisse discuter tranquillement. M'enfourne pas là-dedans! Trop tard, cowboy. K, non, écoute-moi, je peux t'aider à régler cette affaire. K! C'est mon visage de vérité, tu rates quelque chose! Faut que je fasse appel à mon imagination. K, le tueur que tu recherches, je le recherche, moi aussi. C'est un Boglodyte. Il s'appelle Boris. L'avion a décollé, amigo. Si tu ne le liquides pas maintenant, il va y en avoir deux! Tu as toute mon attention. L'un d'eux n'aura qu'un bras, l'autre en aura deux. K! Il faut que tu m'écoutes! Si tu m'effaces, tu effaces notre monde! 15 secondes avant la neuralisation. 14, 13, 12, 11, 10. 9, quand tu verras Boris demain, tu dois 7, le tuer. Ne l'arrête surtout pas, tue 5, ce type. 4, 3, 2. T'as arrêté ce machin? Eh, hey, je suis pas sûr qu'il soit complètement arrêté. Ça ronronne et puis ça bourdonne. Je ne sais pas si je sais plus rien. Je connaissais Roman. Sa femme m'a préparé un dîner une fois, même si c'était pas ragoûtant. Roman était un ami. Une dernière fois, qui es-tu et qu'est-ce que tu sais? Je suis un agent Men in Black. Je viens du futur. Je suis ton coéquipier. Dans environ 25 ans, tu vas m'embaucher. 14 années plus tard, le gars que tu m'as empêché de tuer à Coney Island va s'échapper de prison, va faire un saut dans le passé et lancer une invasion totale de notre planète. On a à peu près 19 heures pour l'attraper et le tuer, alors il faut vraiment qu'on se bouge maintenant! D'accord. Alors, cette histoire, t'acceptes de l'avaler? Cette fois, c'était la vérité. Pas toute la vérité, mais je m'en contenterai pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es fou, bien sûr que c'est toute la vérité. Je t'ai absolument tout dit. Le problème avec les mensonges, c'est qu'une fois que tu te mets dedans, tu peux plus... Agent K, pourquoi il est encore ici? Je l'ai peut-être cuisiné un peu trop longtemps, je préfère le raccompagner. J'ai remis mon pantalon tout seul.